étant donné que je récupère donc des loots et que je peux les revendre. Même si je suis admin, hein, moi je m'en fous, mais ça pourrait donner des idées à mes autres joueurs. Donc je fais la visite. Hein, donc si vous voulez, je la refais la visite. Donc voilà, c'est simplement. Voilà, donc il y a un back receveur ici. Voilà, d'ailleurs, de la poudre de creeper est en train d'arriver. Et ici, donc c'est la boucherie. Donc sur le même principe, mais avec 3 en fait de largeur, hein, sur le même principe que le piège que j'ai fait dans ma partie en solo. Vous voyez, hein, au niveau donc de ma du donjon que j'ai trouvé, c'est exactement le même principe. D'ailleurs, je mettrai peut-être des cages à spawn au premier étage. Vu que je suis admin, je peux cheater des cages à spawn. Histoire d'aller plus vite. Niveau rentabilité. Bon, donc ça, c'est un petit coup de Zari, ça, qui m'a fait un petit chemin. C'est cool, mais pas nécessaire. Bon, donc voilà pour la redstone et les pistons. Je vous ai appris tout ce que je savais. Après, je sais qu'il y a beaucoup de circuits possibles. Je ne me suis pas encore servi dans le serveur des portes end et des portes ou. Même si, bon, bah, vous voyez, je sais les faire. Je cherche des applications, hein, pour apprendre à les faire. Mais... Enfin, pas pour apprendre, mais pour m'en servir. Et je n'ai absolument aucune idée. Je peux peut-être aller. On enchaîne. Je vous parle des différents plugins qui existent sur mon serveur. Comme ça sera fait. Alors, je vous ai parlé, donc j'utilise un serveur Bukit, donc si vous ne connaissez pas, bukit.org. Donc c'est en anglais, malheureusement, pour ceux qui ne sont pas balèzes en anglais. J'achète ou je vends? Je vends. Je suis encore en mode vente, donc c'est bon. Donc ceci est Bukit et iChest. Non, c'est économie et chest economy, voilà, c'est ça. Économie, non, chest ou économie, je sais plus. Alors, est-ce qu'il y a un joueur actuellement? Il y a Guigui, bah je vais lui demander. Je vais vous montrer donc un second plugin qu'il y a sur notre serveur, c'est le Tombstone. Alors, ah bah attendez, si on peut l'écouter sur TeamSpeak en même temps, ça serait cool. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plugin? Donc les portes téléportatrices, donc c'est le plugin Stargate. Voilà. Ok, d'accord, super Guigui. C'est pas cool. Bon, donc je vous montrerai pas le... Si, bah, remarque, je peux vous montrer moi-même, mais bon, ça va faire con. Donc je retire le god, ou même pas. Je tape... Attendez, je lance TeamSpeak pour que je puisse lui expliquer le truc. Parce que taper, moi, j'aime pas trop ça. Donc excusez-moi, donc ça va prendre un petit peu de temps, donc bon là ça je sais même pas pourquoi. Ah oui si, c'est le système de guerre ça. Ça c'est pas un plugin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plugin vite fait qu'on peut parler? Ben, il y a essentiellement cela. Oui, il y a Xot. Attends, je me connecte. Pourquoi il s'est pas lancé moi?
Voilà. Bon, voilà. Donc mon TeamSpeak est en train de se lancer. C'est juste que je bug un petit peu. Excusez-moi. Connected. Voilà. Bon. Guigui, tu me reçois? Bon, alors, je Oui. sais pas si dans la vidéo on va t'entendre, hein, mais voilà, j'ai juste besoin de toi une minute. Est-ce que tu peux descendre sur le sable là? Est-ce que tu peux descendre là devant moi sur le sable? Alors, je t'ai fait venir près du spawn, c'est pour t'éviter les ennuis, hein, mais comment? Je montre en fait, je fais une démonstration de mes plugins. Donc, eh ben, je montre le plugin Tombstone. Donc, est-ce que je peux te tuer? Ouais, bah Bah ouais, t'es juste mais à côté du spawn, donc t'as qu'à récupérer ton coffre après. Allez. Bah bien sûr, j'aurais dû prendre une épée en diamant pour faire ça, mais bon. t'aurais pu prendre une épée en diamant, ça aurait été Ouais, je moins crois, ouais. souffrant. Voilà, bon. Voilà, donc quand il meurt, son inventaire est stocké dans un coffre, donc il n'y a que moi qui peux l'ouvrir, étant donné que je suis admin, et lui-même. Voilà, et les autres joueurs ne peuvent pas ouvrir son coffre. Voilà, donc en plus j'ai été sadique, je l'ai tué à la main au lieu de l'achever au diamant. Bon, voilà. Que Kenpachi, lui, s'est amusé à se tuer 10 fois juste pour avoir les coffres. Bah ouais, après c'est une solution parce que on récupère des coffres et des panneaux comme ceci. Bon, ok, bah écoute, je te remercie, c'est tout ce que je voulais montrer, donc c'était juste 2-3 plugins que je montre. On a également le plugin XAuth qui vous demande de vous identifier. Donc tu peux quitter TeamSpeak hein, si tu veux. Ouais, non, j'aime bien écouter. De toute façon, je Ok, fais pas de d'accord. bruit, je suis tout. De toute façon, je sais même pas si on va t'entendre la vidéo. Alors, donc il y a aussi le plugin XAuth qui vous demande de vous authentifier avant de venir sur le serveur, vu qu'on joue en fait avec des versions piratées de Minecraft. Je sais, c'est pas bien, on ira se faire fouetter en place publique. Pour cela, mais c'est pour éviter qu'en fait bah, on pirate surtout mon compte en tant qu'admin et puis donc et bah, qu'on pique les ressources des autres. Donc chaque joueur configure son propre mot de passe et peut jouer autant qu'il veut. Voilà, donc les mots de passe sont personnels et ne sont surtout pas à donner. Et trouver un mot de passe assez compliqué quand même, s'il vous plaît. Donc XOTF, j'ai montré le réseau Stargate, le Tombstone, je viens de le montrer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plugin, Guigui? Le guide. Donc IHS et Economy, je les ai montrés, donc pour le magasin. Bah écoute, c'est tout, hein. Bah attends, je vais voir dans les configurations du serveur au pire. Je sais plus. Ah oui, bah oui, je suis bête. Il y a le plugin résidence, donc évidemment, qui permet en fait de sécuriser une habitation qui nous appartient. Ouais, il est légèrement embêtant quelquefois, parce qu'avec Harry, on s'est fait tuer près de Tatooramob à cause de Pourquoi? ça. Parce qu'on s'est coincé, on s'est trop approché, puis les monstres, ils nous ont tabassés. Bah évitez de passer. Donc voilà, C'est donc pas marrant. résultat, évitez de passer sur la propriété des autres. Eh bah tiens, viens faire une petite démonstration, Guigui, là. Viens à côté de mon bunker. Alors, Donc attends, je remets le joint. Oh, attends, je prends les quelques... Ah, le jour! Voilà. Donc j'ai sécurisé à partir Rien que pour me faire chier, je vais De m'élancer quoi? vachement loin, regarde. Je vais lancer loin, comme ça je serai bien bloqué. Voilà, je suis... Évidemment. Donc vous voyez, il ne peut pas bouger quand il est en fait dans mon secteur. Donc j'ai mis 4 cases hein, pour être sûr qu'il ne puisse pas avancer. Donc à partir de cette zone grise là, donc de cette zone de stone, ils ne peuvent plus progresser. Il n'y a que moi qui peux avancer. Et pareil, ils ne peuvent pas détruire les blocs, hein, ni activer même mon levier. Voilà, donc il vous fait une démonstration. Prends peut-être une pioche, ça sera peut-être plus facile. Bah, hey. De toute façon, il te marque un message d'erreur. Quoi, dont Voilà, ta dont ta permission. permission. Bon. Voilà. Donc, c'est un autre plugin. Donc, excusez-moi, je regarde dans les configurations de mon serveur. Hop.
Donc les autres que les autres plugins que j'ai, attendez, ça va prendre une petite minute. Attendez que je me connecte à distance. Ok, alors. Plugins, donc j'ai dit, ah oui, donc, ah ouais, j'ai oublié celui-là par exemple. Attendez, je regarde un petit peu. J'ai aussi LWC qui permet de verrouiller des coffres. Ça, n'y pense même pas, Guigui, vire-moi ça tout de suite. Parce que je te vois quand même. Pas assez rapide. De toute façon, je pourrais le virer, puis je peux toujours taper chez H-Pone. Alors, multiverse qui me permet d'avoir des multimondes. Regardez, Tombstone, une source. D'accord, ok. Donc, voilà, donc le plugin que je voulais vous montrer, donc c'est que nous avons des coffres virtuels. Ouais, ça ah, c'est chouette. Chouette. Donc vous avez qu'à taper slash chest et vous arrivez sur votre comment votre coffre virtuel privé. Il est à vous, personne à part l'admin peut y accéder. Par exemple, moi je peux par contre accéder au coffre de Guigui. Ouais, c'est bon là. Et quand on meurt, on ouais, donc ce qui est dans le coffre est sauvegardé hein, quand vous mourrez. Donc je vois que Guigui a par exemple une montre, deux d'obsidian, un compas, de la craie, tiens de la craie d'ailleurs, fallait que je fasse une petite démonstration. J'en ai un coffre rempli de craie. Hein, j'en ai trouvé pas loin de mon tuto là où j'ai fait la redstone, j'ai trouvé de la craie. Si t'en veux. Bon, ouais, voilà, la craie de toute façon. Est-ce que j'ai fait comment un magasin pour la créer. Je suis pas sûr à 100%. Bon, bah, non. Si tu peux bien aller voir. Comment donc je disais donc là, voilà donc voilà pour le chest. On a aussi multiverse hein, donc comme vous l'avez sans doute deviné pour avoir plusieurs mondes. On a un total de 3 mondes donc un monde du Nez.